fait, le Vaha, ce sont une discipline de pirogue polynésienne. Les gens qui sont ici sont passés par des sélections et aujourd'hui vont disputer le championnat de France pour l'attribution d'un titre de champion de France. Alors pour nous, c'est important de faire cette course ici parce que depuis quelques années, la ville de Pérol et le pays d'Aix travaillent ensemble pour faire ce formidable plan d'eau qui est derrière nous. Ce lac a été transféré à la compétence de la communauté du pays d'Aix en 2004. Au départ, on a pensé que c'était plutôt le vecteur touristique qui serait une bonne voie de développement. Et puis, on s'est assez vite rendu compte que c'est plutôt le vecteur du sport qui serait un élément porteur pour le développement de ce lac. Donc, c'est la direction des sports qui en a pris la gestion depuis 2010. Et évidemment, dessus, l'objectif a été de dynamiser les événements sportifs. Aujourd'hui, on a un bassin compétitif qui permet à nos compétiteurs de toute la région PACA et de certaines de France, puisqu'il y en a qui viennent de Bretagne, pour faire cette course-là. Ça rassemble à peu près 80 compétiteurs. Il y a de la Vaha une place et du Vaha 6 places. Donc quand on dit Vaha, ça veut dire c'est pour dénommer la pirogue. Les courses de Vaha se sont faites sur des distances de 500 mètres. Et les courses de V6, donc c'est de la pirogue à 6, ça se fait sur 500 mètres et sur 1500 mètres. Le départ est donné, ça y est. C'était dur, le plan d'eau par contre nickel, il y avait un petit peu de vent donc bon, fallait pousser un peu dans les bras, mais vraiment super sympa quoi, pas de soucis, plan d'eau nickel, ligne d'eau parfaite. C'est dur, pas trop l'habitude dans l'eau calme, mais c'est bien. On est vraiment content et je tiens à remercier la ville de Pérol, le pays d'Aix, tous les partenaires qui ont fait en sorte que ce nouveau plan d'eau puisse exister et surtout avoir comme outil de travail pour accueillir plusieurs disciplines sur ce plan d'eau, avec l'aviron, le kayak et aussi la pirogue polynésienne.